Bonjour à tous, bienvenue sur notre minute qualité du médico-social de ce vendredi 29 septembre dédié au recueil des besoins de l'usager. Alors, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Comme vous avez pu le remarquer, vos micros sont fermés comme habituellement, c'est pour permettre une qualité auditive la plus optimale possible. Mais ne vous inquiétez pas, en fin de NQMN, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat. Et chat qu'on vous conseille de surveiller, puisque des liens vous seront régulièrement tout au long de ce MQMS adressés. Donc aujourd'hui, du côté de Caliren Santé, nous sommes trois personnes à intervenir. Tout d'abord, moi, Noémie Terrien, cordeau responsable de Caliren Santé. Je suis accompagnée d'Antoine Biron. Bonjour à tous, donc Antoine Biron, chargé de mission à Carrière Santé sur la thématique besoin d'usagers, expérience de l'usager et partenariat usager professionnel de santé. Et derrière son écran à distance, qui vous partagera les informations sur le chat et collectera vos questions et commentaires, Marion Lucas. Bonjour, Marion Lucas, chargée de mission à Caliren Santé sur la partie médico-sociale. Bonjour à tous. Alors Antoine, Marion, on a de nombreux participants aujourd'hui puisque nous avons plus d'une centaine d'inscrits. Alors peut-être nous serons un tout petit peu moins nombreux en séance. Dans tous les cas, comme à l'habitude, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay, à la fois sur notre page de site Internet avec le support de présentation et sur notre chaîne YouTube au cours de la semaine prochaine. Tout à fait. Alors, au programme aujourd'hui, donc on est bien sur le sujet du recueil des attentes de l'usager. Donc, on va parler du contexte des enjeux associés à cette thématique. On ne peut pas parler de satisfaction d'expérience sans parler de l'acteur incontournable qui est le Conseil de la vie sociale. On fera un petit zoom sur cette thématique, l'implication de la gouvernance, en pratique, comment ça se déploie sur le terrain, et puis on finit comme à l'habitude, des ressources pour vous accompagner, des ressources qui sont plurielles, hein, qui sont soit issues de Caliren Santé, mais aussi d'autres partenaires en région ou au national. Et sur cette heure, ensemble, nous consacrerons un temps de questions-réponses en fin de session. Alors, avant de laisser la parole à Antoine sur toute la partie, sur le cœur de ce MQMS, juste quelques éléments de rappel sur les enjeux autour du recueil et de l'analyse de la satisfaction et de l'expérience des personnes accompagnées. Hein. Juste pour se redire les éléments, on est bien sur des outils, hein, ni plus ni moins que des outils, qui vont permettre de soutenir la participation des personnes et améliorer leur accompagnement. Et ce, à deux niveaux. À la fois un niveau de pouvoir évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre du projet personnalisé, elle répond aux attentes, aux capacités et aux besoins de la personne, et surtout de le faire évoluer en conséquence, en questionnant les objectifs du projet personnalisé, la révision des moyens qui vont être mobilisés pour l'atteinte des objectifs et de réaliser concrètement le projet de la personne. Et puis le deuxième niveau, c'est un outil qui va être plus pour contribuer à l'amélioration des organisations et des prestations qui vont être délivrées par la structure, le service ou l'établissement. Donc cet outil de recueil, il va permettre de contribuer à évaluer du point de vue des personnes la qualité de ces organisations et de ces prestations. Et puis surtout la capacité de la structure à répondre aux attentes et aux besoins des personnes. Tout ça en partant du recueil à partir de l'expression de la personne accompagnée. Donc on va abonder la reconnaissance de la légitimité de cette parole pour la prise en compte de l'amélioration des organisations et des pratiques. Alors, ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que recueillir, c'est échanger avec les usagers. Et c'est une des manières de prendre soin en écoutant ce qu'ils ont à dire sur leur vie, que ce soit en EHPAD, en maison d'accueil spécialisée ou sur leur travail en ESAT. On va échanger avec les usagers sur leur lieu de vie, leur lieu de soins, leur lieu d'accompagnement. Pourquoi? Comme on le sait, les usagers, c'est les premiers experts. Ou en tous les cas, c'est les personnes qui sont les plus aptes pour dire et expliquer la manière dont eux, ils perçoivent leur vie et la qualité des soins et des accompagnements qui sont délivrés, et si ces éléments d'accompagnement, ils leur conviennent ou non. Pour le professionnel, ça va lui permettre de compléter de nouvelles connaissances
d'avoir une meilleure compréhension de la situation des usagers au sens large, mais aussi la compréhension du besoin de l'usager, de la personne accompagnée. En tout état de cause, ça va permettre à chacun, à son échelle, quelle que soit la place qu'on occupe dans l'établissement, d'améliorer d'une part le bien-être et la qualité de vie des usagers, et puis d'autre part la qualité de vie au travail, puisque ça va permettre de questionner ces organisations et ces pratiques, et du coup de se conforter, en particulier dans le sens délivré dans l'accompagnement et les soins. Alors, on a deux notions qui sont importantes quand on parle de recueil d'expérience ou de satisfaction. C'est bien de pouvoir savoir de quoi on parle. Quand on parle de mesure de la satisfaction, c'est bien un moyen pour recueillir les besoins de l'usager, mais d'un point de vue de satisfaction, on va mesurer plutôt le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui satisfait la manière dont les professionnels, par exemple, vous aident. Ou encore, est-ce que vous vous sentez en sécurité ici? On va percevoir la question de comment l'usager perçoit les choses. Alors que l'expérience de l'usager, on va être plutôt sur le comment et le pourquoi. Par exemple, on va recueillir si la personne, elle a la possibilité, donc on est vraiment sur des faits, de poser des questions quand il le souhaite. Ou encore si, par exemple, un membre du personnel avec qui vous pouvez parler de vos soucis, de vos peurs, est accessible au sein de la structure. Donc la satisfaction de l'usager, elle va davantage recueillir une opinion, un ressenti, et on va pouvoir positionner un degré de satisfaction de la prise en soin et de l'accompagnement lors des différentes étapes de son parcours. Donc on est bien sur ce que les personnes pensent de leurs soins ou de leur accompagnement, sur la base de leurs préférences et de leurs attentes individuelles. Donc, comme je vous disais, le quoi. Quand on parle d'expérience, on est vraiment en lien avec l'histoire de vie et l'expression du point de vue de l'usager. Donc, c'est une véritable valeur ajoutée pour la personne accompagnée qui va lui appartenir par rapport à son vécu, son histoire, et de façon très concrète en lien avec sa pathologie, son handicap ou sa situation individuelle. Elle va davantage questionner son niveau d'implication et se baser sur ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, ni plus ni moins que sur sa propre expérience de vécu au sein de la structure. Donc, ça va permettre d'apprendre de sa pathologie, de son handicap et de pouvoir avoir connaissance des spécificités et l'expression de sa symptomatologie, pardon, et de son ressenti associé. Ça va permettre de mobiliser des ressources pour trouver des solutions afin de mieux vivre avec. Et on va aborder la liberté de choisir son soin et son accompagnement. On va être vraiment sur une approche d'expression de ses attentes pour une prise en charge optimale. Donc l'expérience, elle va vraiment au-delà des opinions pour découvrir le comment et le pourquoi de ce qui est sous-entendu par cette satisfaction. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand on mobilise le recueil, en particulier quand on mobilise un recueil d'expérience, on va favoriser l'engagement de la personne accompagnée. Donc, on vous a mis là en petite diapo le guide méthodologique de la Haute Autorité de Santé qui parle de l'engagement des usagers dans le secteur social, médico-social et sanitaire, qui nous rappelle bien que l'engagement, c'est toute forme d'action, qu'elle soit individuelle ou collective, qui va être au bénéfice de la santé, du bien-être ou de la qualité de la vie de la personne accompagnée ou de ses pairs. Donc ça veut dire que cet engagement et de pouvoir favoriser l'engagement de la personne accompagnée, ça nécessite aussi un engagement des professionnels et des décideurs, tant dans le soin et l'accompagnement social et médico-social, comme par exemple son engagement dans la définition des objectifs et des actions en lien avec son projet d'accompagnement, son projet personnalisé, que dans l'amélioration des pratiques et des organisations, son engagement dans la vie de la structure. Et ce que nous dit la Haute Autorité de Santé, c'est que cet engagement conjoint, patient, personne accompagnée, professionnel, qui va concourir à un meilleur service qui va être rendu aux personnes concernées, et donc du coup à leur augmentation de leur pouvoir d'agir. Et là, on fait écho à l'autodétermination, qui est particulièrement investie, notamment dans le secteur handicap. L'autodétermination,
Ça va dans le sens de l'engagement, mais on va toucher l'ensemble des habiletés et d'aptitudes, des capacités des personnes accompagnées qui vont être requises pour permettre d'agir comme un agent, un facteur de sa propre vie et décider pour soi dans les actes de la vie quotidienne et de pouvoir être en capacité de exprimer ses choix et de prendre ses décisions. En prenant en compte sa qualité de vie et sa qualité de vie aussi au sein de la structure et de façon libre, c'est-à-dire en dehors de toute influence externe ou de conseils exercés par un tiers. Donc ça va être vraiment l'autodétermination va vraiment permettre à la personne accompagnée de contrôler les événements qui se produisent dans sa vie. Et cette autodétermination, elle prend tout son sens dans le cadre de l'engagement et dans le cadre de la mobilisation des outils de recueil et d'expérience des usagers. Alors, la Haute Autorité Santé a donné pas mal d'outils et de ressources dernièrement sur ces sujets, et je vais laisser tout de suite la parole à Antoine pour vous les décrypter. Ok, merci Noémie. Donc pour finir cette partie contexte et enjeux, on ne pouvait pas ne pas parler de la Haute Autorité de Santé puisque au sein de la HAS, il y a un service engagement des usagers et donc on commence à travailler sur le sujet. Donc la HAS en 2021 a essayé de faire un questionnaire commun sur le secteur médico-social uniquement pour l'instant sur la partie EHPAD. Et structure Andy, donc ils ont testé ce questionnaire avec une vingtaine d'établissements et ils ont abouti au résultat que de faire un questionnaire unique qui soit possible pour l'ensemble des structures médico-sociales était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même trop de différences entre le secteur EHPAD ou le secteur Andy, Andy adulte, Andy enfant. Néanmoins, la HAS a continué à travailler sur cette notion de comment recueillir les besoins de l'usager et a sorti la semaine dernière un guide méthodo, donc recueil du point de vue des personnes hébergées ou accueillies en EHPAD. Donc effectivement, pour l'instant, c'est uniquement sur le secteur EHPAD. Et c'est un guide méthodo sur lequel on s'est appuyé pour construire le MQMS et on vous donnera la référence. Et dans ce guide, voilà. Non, c'est bien. Voilà. Non, je me souviens d'après. Merci. Et également, il y a un manuel d'évaluation de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. Que tous les établissements maintenant médico-sociaux connaissent, qui est sorti en 2022, et qui est quand même, il y a des critères dans ce manuel d'évaluation qui incitent fortement quand même les établissements, les professionnels, le CVS, à recueillir les besoins de la personne accompagnée. Donc, on en a fait une lecture de ce manuel d'évaluation et on a repéré des critères qui sont on peut dire identifier, estampiller, recueil de l'expérience de l'usager. Et il y en a un qui ressort en particulier, donc il est un peu au milieu de la diapositive en vert, c'est le 1.6.1, la personne accompagnée est soutenue dans son expression, le partage de son expérience est favorisé et l'expression de ses préférences est prise en compte. Et au regard, bien sûr, on a la partie professionnelle avec le 1.6.2, les professionnels facilitent l'expression. Et le 1.6.3, les professionnels analysent le recueil de l'expression. Donc là, on a vraiment un critère qui incite fortement les établissements à recueillir l'expression de l'usager. Et donc, c'est un critère assez global, puisque dans ce critère, on n'identifie pas, on ne donne pas quelle thématique il faut recueillir l'expression de l'usager. Alors néanmoins, on a quand même trouvé des thématiques dans les autres critères. Donc, le 1.1.1 sur la bientraitance, et à chaque fois, au regard, vos amis, la partie qui concerne les professionnels. On a également le critère 1.1.3 sur la révision des règles de vie de collective et des modalités de fonctionnement. Le 1.4 sur le cadre de vie ou l'accompagnement qui sont pris en compte. Bien évidemment, on a le projet d'accompagnement sur le critère 1.10.1. Et après, on a sur le critère 1.12.1 l'autonomie, on a également le logement ou l'hébergement, le 1.14.1 sur tout ce qui concerne la prévention, l'éducation et la santé, et puis également le 1.16.1 sur les douleurs. Et puis également, il ne faut pas oublier que on a également trouvé intéressant de mettre dans les thématiques de recueil des besoins et de l'expression des usagers. Tout ce qui concerne les plaintes et réclamations, puisque ça fait partie des recueils des besoins de l'usager, même s'il est un peu en première intention, mais
En deuxième, attention, c'est le critère 3.12.1, l'établissement organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. Donc voilà sur le point de vue du contexte. Après, donc comme le disait Noémie, il y a quand même un acteur incontournable dans le recueil des besoins d'usagers, qui est le Conseil de la vie sociale. Donc comme vous le savez, avril de l'année dernière, le 25 avril 2022, il y a eu une modification du CVS et le souhait du ministère, c'était quand même que les règles de fonctionnement et les missions du CVS se rapprochent un peu de la commission des usagers du secteur sanitaire pour que les établissements qui ont quand même à la fois du secteur sanitaire et médico-social puissent travailler avec les usagers au sein des deux comités de la même manière. Donc, le principe du CVS, on va dire nouvelle formule 2022, le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement. Donc, en fait, les représentants au CVS sont des relais, des résidents, des familles auprès de la direction, c'est-à-dire que le CVS va recueillir la parole et les propositions et faire des propositions du coup constructives. Donc, il y a trois grandes missions dans ce décret. Les membres du CVS observent la vie de l'établissement en participant au temps de rencontre proposé. Donc, bien évidemment, les temps de rencontre, c'est les temps de rencontre, on va dire, institutionnalisés, réglementaires du CVS, 4 fois par an. Mais bien sûr, vous pouvez organiser des temps de rencontre hors 4 réunions annuelles pour organiser le recueil des besoins de l'usager. Le CVS est là également pour écouter, entendre, constater aussi bien les satisfactions que les insatisfactions faites par les usagers. Et bien évidemment, ces missions du CVS se font dans le respect de la confidentialité des faits exposés et des personnes. Si on zoome en particulier sur deux missions sur le CVS, voilà, merci. Sur les EHPAD et les masses femmes. Effectivement, dans le décret du 25 avril 2022, les EHPAD doivent réaliser chaque année une enquête de satisfaction dont la méthodologie et l'outil sont proposés par l'HAS. Donc, comme je vous l'ai dit, l'HAS a fait une enquête pilote en 2021 qui ne s'est pas forcément avérée reproductive dans tous les établissements socio-médico-sociaux. Et du coup, cette notion d'enquête nationale n'est plus d'actualité. Néanmoins, l'HAS a sorti une note de cadrage l'année dernière, en novembre 2022, qui est valable sur les 3 prochaines années jusqu'en 2025. Et dans cette note de cadrage, soutenir les établissements et les services sociaux et médico-sociaux dans le recueil du point de vue des personnes qu'ils accompagnent. Sur les premières productions, c'est plutôt des guides méthodologiques plutôt que des questionnaires clés en main. Donc, et à partir de ces guides méthodologiques, ça va permettre aux EHPAD de réaliser une enquête de satisfaction sur le recueil des besoins. Néanmoins, l'affichage des résultats dans l'établissement et l'analyse qui doit être faite par le CVS. Et sur la partie handi, notamment sur les masses et les femmes, le CVS doit être consulté sur l'organisation des temps de transport. Effectivement, le temps de transport, ça permet de... Enfin, l'usager qui utilise les transports pour venir à la masse ou aux femmes a nécessairement des besoins, des attentes que l'établissement se doit de recueillir. Donc là, c'était d'une manière générale ce que peut faire le CVS dans l'établissement. Si on zoome sur un temps particulier qui est l'évaluation HAS qui est faite par l'organisme habilité, effectivement, il y a un temps organisé entre le CVS et l'organisme habilité pour justement qui va permettre à l'organisme habilité d'apprécier le partenariat qui est fait entre l'établissement et les usagers, le CVS. Donc c'est ce que Noémie a parlé avec le document HAS qui est sorti sur l'engagement au sein d'un établissement. Et puis également l'organisme habilité va apprécier quand il sera présent sur site en entretien avec le CVS, quel est le rôle du CVS dans la promotion de l'expérience et de la dynamique de participation des personnes qui sont accompagnées au sein de l'établissement. Donc, on a bien dans le manuel de la Haute Autorité de Santé à la fois des critères en lien avec la promotion du recueil de l'expérience du usager et le point bien précis pendant la visite avec le CVS qui, dans son rôle,
va participer justement à cette promotion et va participer au recueil, à l'analyse et à la proposition d'action d'amélioration. On voit bien que il y a un temps plus global sur le CVS qui fonctionne tout au long de la vie d'établissement et un zoom particulier quand il y a la visite qui est faite par l'organisme habilité. Et notamment dans cette rencontre qui va être faite entre organisme habilité et CVS, donc il y a 10 critères qui sont évalués au travers d'une grille. Et sur ces 10 critères, il y en a 3 qui sont en lien vraiment avec le recueil de l'expérience de l'usager. Donc le critère 1.3.1 sur la personne accompagnée est associée à la révision des règles de vie collective. Le 3.1.1, l'établissement définit sa stratégie, oui, sa stratégie en matière de bientraitance. Et le 3.12.2, l'établissement communique sur le traitement des plaintes et réclamations au sein de son établissement. Donc voilà, donc vous voyez bien que on ne peut pas faire de l'expérience usagée sans impliquer le CVS. Un autre acteur incontournable dans cette promotion du recueil des besoins de l'expérience de l'usager, c'est la gouvernance. Donc effectivement, il faut penser ce recueil des besoins de l'usager comme un projet à part entière et pas comme un projet qui vient sur le point de data parce que on a la visite HAS par l'organisme habilité qui vient la semaine prochaine ou dans un an. C'est vraiment une démarche construite au fil de l'eau. Comme la démarche qualité. Donc, ce qui est important quand on veut recueillir les besoins de l'usager, c'est de définir les objectifs avec les méthodes et les outils associés, et également un calendrier, de construire ensemble, donc c'est-à-dire avec le CVS, avec les professionnels, avec les usagers. Bien évidemment, puisqu'on est sur le recueil de l'expérience, on va collecter des données. Donc, ces données, il faut les analyser, les traiter, les interpréter, notamment les résultats. Et ensuite, communiquer et diffuser. Vous voyez, on est vraiment dans un projet à part entière. On définit ce sur quoi on veut s'évaluer, comment on va le faire, avec qui on va construire, comment on va collecter, il faut analyser et on communique. Voilà. Donc, si on va sur cette partie, ce qu'on a appelé une feuille de route, c'est qu'avant de se lancer dans sa démarche de recueil des besoins d'usagers, il est nécessaire de structurer sa démarche. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Cette démarche doit être soutenue par la gouvernance, que ce soit la gouvernance au sein d'un établissement, au sein d'un conseil d'administration, si on est sur une association avec plusieurs structures. Et puis, ça peut être une structure qui est autonome dans une commune, donc on est plutôt sur l'échelon local, ou si c'est une association qui a une vocation départementale ou régionale, ça peut être une feuille de route qui est soutenue au niveau régional et après déclinée au niveau plus local. Et avec une feuille de route dédiée, ce qu'on appelle une stratégie. Et en fait, c'est les questions à se poser avant, enfin, les questions que la direction doit se poser avant de se lancer dans cette démarche de recueil. Ben, qui va coordonner cette démarche? Avec quels moyens humains et financiers que je vais octroyer? Qu'est-ce qu'on veut recueillir? Pour faire quoi? Pourquoi faire? Pour qui? Avec qui? Comment? Comment utiliser les données déjà recueillies et déjà existantes? Comment communiquer? Et comment valoriser ces actions. Et cette feuille de route, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elle soit co-construite avec le CVS, les usagers, les représentants des familles, bien évidemment les professionnels qui interviennent. Et l'intérêt, c'est qu'elle soit commune de tous. Alors, on vous a mis quelques clés de réussite pour voir que cette feuille de route puisse être élaborée et que ça fonctionne. Donc, il est important que à la fois les usagers, le CVS et les professionnels puissent identifier un professionnel en charge de déployer cette feuille de route sur le terrain, donc un référent. Donc c'est important que la gouvernance puisse identifier au sein de sa structure quelqu'un qui va pouvoir porter avec elle cette démarche de comment on peut recueillir l'expérience de l'usager. Également, proposer une démarche participative animé par ce référent, c'est-à-dire comment on va pouvoir impliquer le CDS, les usagers et les proches et les professionnels. Et puis également, dans cette feuille de route, ce qui est important, c'est de définir très précisément les objectifs, les thématiques de recueil et quand est-ce qu'on va le faire. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir programmer sur
la durée du projet d'établissement, la durée entre deux visites de l'organisabilité. Qu'est-ce qu'on veut précisément évaluer avec les usagers? Quand est-ce qu'on va le faire et avec qui? Voilà, vous n'allez pas tout faire en 2023 ou 2024. L'intérêt, c'est par exemple, en 2023, vous allez faire plutôt ce qui concerne la restauration. En 2024, ça peut être tout ce qui concerne également les vies collectives, etc. Mais l'important, c'est que vous puissiez calender sur plusieurs années les différents éléments pour que cela puisse démontrer aux professionnels et aux CDS que ce n'est pas juste parce qu'on a l'organisabilité qui arrive, mais c'est une démarche que l'établissement souhaite instaurer sur plusieurs années et qui fonctionne. Également informer et accompagner les professionnels et les membres du CDS dans le changement, puisque l'usager va devenir, pas seulement l'usager, mais va devenir également acteur de son accompagnement. C'est ce qu'on appelle l'engagement de l'usager. Et ce qui est important également, c'est de créer un climat de confiance avec les usagers pour qu'ils puissent se rendre légitimes à donner leur point de vue et qu'ils n'aient aucune crainte à dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est la notion de représailles. Voilà. À travers cette phrase. Voilà. Si l'usager se sent en confiance et qu'il sait qu'il n'y aura pas de représailles par rapport à ce qu'il puisse dire, ça va faciliter sa parole. Et comme le disait Noémie, ça va le mettre en confiance. J'ai perdu le mot que tu as dit dans le début, Noémie, et sa légitimité. Voilà. Et d'un point de vue également professionnel, il faut qu'il y ait aussi une dynamique au travers des professionnels pour qu'ils ne vivent pas cette démarche comme un jugement de leur travail, avec une remise en cause de leur travail, mais bien pour eux une opportunité de mieux comprendre l'usager et pourquoi il a dit ça à ce moment donné. Donc on est vraiment dans la co-construction entre l'usager et le professionnel, et on est vraiment un changement de paradigme où l'usager devient acteur de son accompagnement et de ses soins. Sensibiliser le CDS à son rôle dans le recueil, favoriser les analyses collectives par les professionnels avec les usagers au sein des services, également la direction favoriser la discussion autour des résultats, notamment au sein des CDS, et puis également pour que cette démarche, sa culture, qu'il y ait une certaine acculturation, c'est que bah, il faut communiquer tout au long de la démarche et faire des retours tant aux personnes qui ont été interrogées que l'entourage et les professionnels. Alors, le déploiement sur le terrain, ce qui est important, c'est qu'avant de se lancer, c'est qu'est-ce qu'on veut analyser et quand on veut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut analyser? On peut analyser et améliorer le bien-être et la qualité de vie des usagers au niveau des soins de l'accompagnement, les centres d'intérêt, les relations sociales, internes et externes, d'un point de vue professionnel, les pratiques professionnelles, mais en ciblant pas telle ou telle catégorie professionnelle, et l'organisation inter- et extra-professionnelle, inter-syndicale. À quel moment on veut le faire? Est-ce qu'on veut le faire uniquement sur l'hébergement temporaire ou l'hébergement permanent? Si vous avez de l'accueil du jour ou l'accueil de nuit, est-ce qu'on fait surtout sur les usagers qui viennent arriver dans la structure, ou plutôt on attend au bout de 6 mois? Et puis également sur le quoi? On a la vie en institution, on a l'environnement physique, les relations avec le personnel, la vie sociale, l'alimentation, les repas, le loisir, les centres d'intérêt, les soins d'accompagnement. Et puis les sentiments, la perception, et puis la fréquence. Est-ce qu'on fait en routine ou en version ciblée sur des éléments? Et puis également, on peut le faire sur des temps particuliers, au moment de l'aménagement, au moment de l'organisation de la vie quotidienne, les sorties à l'extérieur, les visites reçues. Voilà. Donc en fait, dans votre feuille de route et dans votre programme pluriannuel, vous pouvez piocher le quoi, le quand, quand est-ce qu'on le fait. Et ça permet également aux professionnels et aux usagers d'avoir une certaine visibilité sur. En 2023, on fait ça. En 2024, on fait ça, etc. Ça permet que chacun puisse s'investir sur telle ou telle thématique. Sur les niveaux, là, on est plus sur le côté méthodo à partir de maintenant, sur les différentes approches. Il y a deux approches principales, hein, l'approche qualitative, l'approche quantitative. L'approche quantitative qui est plutôt sur des questionnaires fermés, qui permet une analyse et une comparaison, et sur l'approche qualitative, qui est plus sur des espaces d'expression autour de questions structurées et plutôt sur le style d'entretien. Et vous pouvez bien évidemment combiner les deux et sur une même thématique, pourquoi pas faire d'abord une approche quantitative par questionnaire et après l'analyse, vous pouvez faire une approche qualitative
pour analyser plus pertinemment certaines données quantitatives qui vous semblaient un peu basses au regard des résultats sous forme de pourcentage. Donc là, on a les deux approches. Et puis également, on a des modes de recueil qui peuvent être différents. Donc on a identifié trois: Internet, téléphone, le face-à-face. Pour Internet, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode collective qui est peu coûteuse, parce que l'outil informatique Internet est quand même assez relativement développé dans la société française. C'est facile à mettre en place, on a un large échantillon et on peut jouer sur une mise en page interactive, facile à lire, à comprendre, etc. Les limites de l'outil Internet, c'est on a l'usage de l'outil informatique, qui n'est pas forcément aisé pour tous les usagers. On ne sait pas forcément qui répond aux questions derrière l'écran. Donc ça peut être le proche, l'entourage. Donc ce n'est pas un souci que le proche ou l'entourage participe au recueil des besoins, mais c'est intéressant pour la structure de savoir à quel moment l'entourage a participé pour pouvoir un peu pondérer les réponses. Il y a un temps de recensement des adresses mail, et puis également, l'usager peut avoir besoin d'une aide pour pouvoir rédiger ses idées. Sur le téléphone, l'avantage, c'est qu'on est sur une communication directe adaptée. La personne qui pose des questions peut reformuler si l'usager ne comprend pas forcément bien. Avec les téléphones portables, il y a une mobilité justement qui permet de contacter plus facilement l'usager qui souhaite répondre. Les numéros de téléphone sont assez fiables et on contrôle plus la personne qui répond. Les limites, c'est un mode de collecte coûteux puisque faut recenser les numéros de téléphone, il faut organiser des rendez-vous parce qu'on n'a pas téléphoné au dernier moment à l'usager, il faut qu'il soit prêt pour pouvoir répondre. Et puis également, on ne peut pas utiliser un visuel. Sur le face-à-face, l'intérêt, c'est que là aussi, on a une communication directe et adaptée. On peut plus facilement avoir l'ensemble des usagers qui peuvent participer à un point de rencontre. On peut également valoriser la personne qui répond et on peut utiliser, comme sur Internet, des visuels attractifs pour que les questions soient plus compréhensibles. Sur les limites, on est un peu sur le même point que sur le téléphone. Il y a un mode de collecte qui est coûteux, il faut organiser la rencontre. On peut avoir besoin que des tiers participent à la rencontre, des tiers éducatifs ou soignants pour aider les usagers à répondre. Et puis dans cette limite-là, les discrets, les timides ne viendront pas forcément en situation face à face pour qu'ils puissent donner leurs besoins. Et eux, ils sont plutôt sur une approche questionnaire, mais il est quand même intéressant de les inclure. Alors, ce qui est important, c'est sur l'ensemble des méthodes, c'est que important d'anonymiser les données, voilà, parce que pour que l'usager soit rassuré là-dessus. Et puis, à un point, on va dire réglementaire, RGPD, DPO, c'est pas parce que l'usager dans son dossier administratif a donné son numéro de téléphone et a donné son adresse mail qu'il est OK pour être contacté spécifiquement sur le recueil de ses besoins. Donc, même si vous avez ces données-là, il ne faut pas oublier d'informer l'usager et de lui demander son consentement quant à l'utilisation de son adresse mail ou de son numéro de téléphone pour justement un usage spécifique de recueil de son expérience par rapport à ce que je disais, les données de RGPD et DPO. Donc on vous a recensé différents outils et méthodes que vous pouvez utiliser pour recueillir l'expérience de l'usager, soit avec l'usager seul ou soit avec l'aide de son entourage. L'intérêt, c'est également de diversifier les méthodes de recueil avec différentes méthodes à différents moments pour justement varier chaque méthode, puisque chaque méthode permet de recueillir des données un peu spécifiques en fonction de la méthode. Donc, on a la première méthode qui est l'accompagné traceur, que l'ensemble des établissements médico-sociaux connaissent, puisque c'est une méthode déployée par l'organisabilité. On a ce qu'on appelle la méthode empathie, qui est une méthode qui commence à être déployée sur le secteur médico-social. Qui est en fait une méthode basée sur l'observation neutre par une personne qui va suivre la personne. En fait, la personne usagée va être en interaction avec le personnel administratif, le personnel éducatif, soignant, et la personne qui est suiveuse se met dans l'ombre et qui va regarder justement les interactions entre l'usager et les professionnels.
On a également les focus group, donc les réunions d'échange en gros, en petit comité. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est que les professionnels, en fait, font du recueil des besoins, de l'expérience au fil de l'eau, puisque lors des soins, des séances d'accompagnement, il ne faut pas hésiter à ce que les professionnels soient attentifs à ce que tout l'usager peut exprimer de manière verbale et non verbale, puisque c'est riche d'enseignements sur comment le patient ressent son accompagnement et quels sont les besoins qu'il peut avoir. On a également sur la partie gauche les fameux cahiers des familles, la boîte à idées et les questionnaires. Et puis on a l'analyse des événements indésirables et les plaintes et les réclamations. Ce qui est intéressant dans le petit schéma qu'on va juste vous présenter rapidement, mais que vous pourrez reprendre après distance, c'est qu'en fait, toutes ces méthodes, des outils, sont classées en quatre grandes catégories. Les outils et méthodes qui sont généralisables, donc l'intérêt, c'est qu'on puisse les utiliser de manière récurrente. Et du coup, versus celles qui sont moins généralisables, qui sont plus en fonction d'une structure ou en fonction d'un usager. Et puis à gauche, à droite, on a les méthodes qui sont plus descriptives et les méthodes qui sont moins descriptives. Donc en fait, en fonction de ce que vous souhaitez faire, privilégier l'une ou l'autre des méthodes. Mais évidemment, les méthodes les plus intéressantes, c'est celles qui sont les plus généralisables et les plus descriptives, mais qui demandent plus de moyens, puisqu'on n'est plus sur des face-à-face et des rencontres individuelles ou collectives avec un professionnel et des usagers. Mais l'intérêt, c'est qu'on puisse mixer l'ensemble de ces méthodes. Donc, ce qu'on vous a mis dans la diapo d'après, c'est un petit peu, on ne va pas aller dans le détail dans toutes les méthodes, mais c'est qu'on puisse vous mettre les limites et les avantages de chaque méthode ou de chaque outil. Donc, sur la méthode d'accompagner le traceur à la bâtie, puisque c'est des méthodes qui sont relativement communes dans l'intérêt et dans l'objectif de ce qu'elles souhaitent faire, les limites, ben, c'est qu'il faut que les professionnels soient quand même formés, qu'il y a un temps de préparation sur les grilles, un temps de réalisation. Et puis également le consentement de l'usager. Ces deux méthodes, on ne peut pas les faire si l'usager n'a pas envie de le faire. L'intérêt de ces deux méthodes, notamment accompagner traceur, c'est qu'on est dans un face-à-face avec l'usager. Donc, on va recueillir précisément ses besoins. On a également un entretien avec l'équipe et on analyse le dossier. Et la méthode d'empathie, c'est qu'en fait, la personne qui va suivre va voir le parcours de l'usager au travers justement des yeux de l'usager. Il va se mettre un peu à la place de l'usager. Les plaintes et réclamations, l'avantage c'est que c'est riche d'enseignement et ça permet de détecter des sujets qu'on n'a pas forcément prévus. Par contre, il y a un gros temps derrière d'analyse des verbatims. Le focus group, c'est ce que je vous disais sur la diapo précédente, il y a un temps de préparation, de réalisation importante. Par contre, il y a une certaine simplicité des échanges et ça permet justement d'aller vers l'usager, et notamment les discrets et les timides. Lors des soins, ben, ce que je vous disais, c'est à tous les moments de la journée, c'est riche d'enseignement. Mais par contre, après, il faut qu'il y ait quand même des temps que le professionnel puisse échanger avec le reste de l'équipe. Donc, justement, il faut organiser des temps d'échange. L'analyse des éléments indésirables, c'est également riche d'enseignement, mais il faut quand même que les équipes et l'usager soient acculturés et on ne va pas faire ça en une méthode en première intention. Les boîtes à idées, donc c'est accessible, les discrets peuvent y faciliter l'accès. Par contre, il y a forcément une date de dépôt, donc une date butoir, et les usagers peuvent avoir des difficultés pour rédiger. Le cahier des familles, pareil, bien placé, accessible, ça permet aux discrets d'y aller. Par contre, il ne faut pas que ça devienne un cahier de doléances et un travail de reformulation qui est par derrière à faire. Les enquêtes de satisfaction, c'est donc des objectifs et il y a quand même une analyse des verbatims à faire. Et c'est facile à répondre. Et c'est utile justement sous vidé pour comparer d'une année à l'autre ou de services entre eux. Et les questionnaires flash, c'est facile à répondre. Et par contre, c'est non exhaustif puisque c'est sur un point bien précis. Alors, avec qui on fait ça? Parce que, comme je vous disais, la gouvernance va identifier quelqu'un qui va être estampillé référent expérience usagée, mais ce n'est pas lui tout seul qui va faire ça dans son pas. Donc, il faut associer les professionnels de la structure. Et si vous êtes, par exemple, au sein d'un CCAS avec 3-4 EHPAD, justement, vous pouvez faire des évaluations croisées. Et c'est une infirmière d'un CCAS qui vient faire le recueil de l'expérience au sein d'un autre CCAS, d'un autre EHPAD. Ça peut être l'animateur, bien évidemment, les représentants de CBS, les associations, les bénévoles.
Et puis également, ne pas oublier qu'il y a aussi des étudiants qui participent à la vie de l'établissement pour pouvoir justement également les solliciter. Quelques fins limites sur chacune de ces personnes. Les professionnels de santé, enfin les professionnels de la structure pour être plus précis, ils ont une très bonne connaissance des usagers, tout comme l'animateur, mais par contre, il peut avoir le frein de la blouse blanche. L'usager peut peut-être avoir une réponse orientée en raison des réponses, enfin en fonction de ses réponses, de la peur de représailles. Donc, à tenir en compte. Mais s'il y a une bonne communication en amont, ces notions de représailles peuvent disparaître. Les représentants, notamment du CVS, ils ont une bonne connaissance des usagers, de la structure, et puis eux, ce qui est important, c'est qu'ils ont un rôle institutionnel bien défini. Donc, ça peut porter la démarche. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient pris comme des éléments de parti pris, parce que souvent, comme dans les représentants des usagers, on s'en va justement pour faire respecter les droits des usagers, mais il ne faut pas qu'ils soient vus uniquement au travers de ce prisme-là. Les associations comme les bénévoles sont indépendants, mais ils peuvent avoir, au vu des usagers ou des professionnels, un manque de lisibilité. Et les étudiants, quels qu'ils soient, l'intérêt, c'est qu'ils sont de passage. Donc, on n'a plus cette notion de peur de représailles. Mais, à contrario, un usager peut avoir de la difficulté à se confier puisqu'il connaît moins. Et puis, les étudiants connaissent moins la structure. Donc là, vous avez mis quelques thématiques qui peuvent être évaluées au regard des besoins de l'usager, le cadre de vie, l'accompagnement, le respect, etc. Sans oublier les thématiques issues de l'analyse des plaintes et réclamations. Pardon. Et pour finir, les succès et les points de vigilance, donc, comme je vous disais, hein, mettre en place une organisation dédiée, impliquer les membres du CDS et également des professionnels, insister sur la confidentialité et la neutralité, communiquer en continu et annoncer le recueil auprès des usagers et des professionnels. Donc, soutenir l'engagement des personnes éloignées des espaces de dialogue, notamment les discrets, les timides, soutenir les usagers et aller au-delà des usagers. Proposer des questionnaires adaptés et transcrits en FAQ, donc faciles à lire et à comprendre, avec des modalités de réponse sous forme de nuages, de smileys ou autres. Adapter les modes de communication orale et écrite pour que tout le monde puisse comprendre, accessibilité interprétariat, et organiser des temps d'échange réguliers. Et puis également, faciliter l'organisation, la logistique pour mettre à disposition une salle ou un bureau. Et puis on a mis un petit schéma qu'on aime bien sur l'écoute, enfin l'intelligence collective, écouter avec attention, parler avec intention, être bienveillant les uns avec les autres, se faire confiance et respecter le cadre. Et puis également des petits points de vigilance, notamment au niveau de la thématique, parce que nous, généralement, ça nous parle, mais au point de vue des usagers, pas forcément. Enlever les concepts généraux sur les soins d'hygiène, parce que ce n'est pas forcément très compréhensible. La notion également des traitements médicaux. C'est des termes trop éloignés de la vie d'un usager. L'appel à la mémoire. À votre arrivée, vous êtes en posé des questions sur vos habitudes de vie. Il faut faire tout de suite. Il ne faut pas le faire un an après, puisque la mémoire, la perte du souvenir est là. Le champ de l'inclusion. Dans vos questionnaires, prévoir uniquement des questions qui concernent tout le monde. Voilà, pour éviter à l'usager de dire est-ce que j'y réponds, est-ce que j'y réponds pas. Et puis également, faire attention à la sensibilisation vis-à-vis du thème abordé. Des questions du type le repas est-il un moment de plaisir pour vous? Alors que vous avez en face de vous des personnes qui sont intubées, ce n'est pas forcément une question adéquate. La HAS s'est aperçue dans son enquête en pilote en 2021, s'est aperçue que le oui-non est majoritairement compris. Par contre, les réponses intermédiaires comme plutôt ou pas vraiment sont pas vraiment adaptées. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des smileys ou de la météo pour visualiser des réponses intermédiaires. Et faire attention à la durée des questionnaires, des entretiens, que ce soit adapté à l'usager, et puis également le temps nécessaire à l'analyse du recueil et surtout des verbatims, puisque l'intérêt, ce n'est pas de recueillir les besoins de l'usager, mais l'intérêt, c'est de l'analyser et de proposer des actions d'amélioration. Donc voilà quelques éléments sur comment recueillir l'expérience de l'usager en structure médico-sociale. Merci Antoine, tu finis sur cette note-là et je pense que c'est important de le souligner. C'est l'une des raisons pour lesquelles la HLS n'a pas proposé de questionnaire, entre guillemets, standardisé,
c'est que le recueil de l'usager, quand on recueille l'expérience ou la satisfaction dans des structures sociales ou médico-sociales, la question d'adapter à la singularité, à la situation individuelle et spécifique de chaque personne, elle est extrêmement importante. Donc c'est vrai qu'il y a des aspects méthodologiques un peu standards, quelquefois, des questionnaires, par exemple, de satisfaction avec des modalités de réponse qui doivent être plurielles sur des niveaux à 4 ou 5. Là, il s'agit peut-être d'arrondir les angles de la méthodologie et d'être sur une approche beaucoup plus qualitative et individualisée du recueil. Alors, on vous a juste fait deux petites slides que je vais passer assez rapidement parce qu'Antoine vous a présenté vraiment globalement, enfin, de façon détaillée quand même, avec pas mal d'informations. Mais toutes les informations, elles sont vraiment importantes à prendre en compte parce que vous l'aurez compris dans les propos d'Antoine, il y a deux dimensions qui sont importantes. C'est à la fois de faire du recueil de l'expérience et de la satisfaction de l'usager un projet institutionnel. Donc, ça veut dire qu'il doit être porté au niveau du pilotage de la structure avec une vraie stratégie institutionnelle et puis surtout une organisation et une structuration qui en découle. Donc, Antoine a beaucoup parlé de cette feuille de route qui intègre des objectifs sur la satisfaction et l'expérience de l'usager. En gros, pourquoi on le fait et à quoi ça va nous servir et à quoi ça va servir l'amélioration de la qualité des prestations de nos organisations et puis surtout de l'expérience et ou de la satisfaction de la personne accueillie. Ça nécessite, au-delà de cette feuille de route, d'identifier un référent de la démarche. De bien entendu d'associer les représentants des personnes accompagnées, notamment au travers du Conseil de la vie sociale, mais pas que. On peut aussi mobiliser d'autres des personnes accompagnées, des bénévoles, des familles qui permettent d'enrichir la démarche. Et puis, bien entendu, il ne s'agit pas de recueillir pour recueillir, mais d'avoir un plan d'action à proprement dit dédié. Au-delà de ces aspects de pilotage, il y a tous les aspects un peu de mise en œuvre très opérationnelle qui va nécessiter un accompagnement des équipes et même des personnes accompagnées, hein, à la fois sur le plan très technique, en sensibilisant les professionnels à l'expérience de l'usager, en assurant la formation. Alors, quand on dit formation, c'est compréhension des membres du Conseil de la vie sociale à ce sujet. Et puis, bah, techniquement, mettre des outils pour recueillir l'expérience de l'usager. Et Antoine est revenu à plusieurs reprises aussi, un outil, ce n'est pas forcément un questionnaire. Ça peut être vraiment pluriel. Et l'approche qualitative est quelquefois engage plus, mais correspond probablement mieux au public que vous accueillez. Et puis, l'idée, c'est de boucler hein, et d'assurer un retour au Conseil de la vie sociale, aux usagers et aux professionnels pour favoriser le retour d'expérience et faire que de façon culturelle. Le recueil de l'expérience et de la satisfaction, elle fasse partie, à part, enfin, ça fasse à part entière, une ressource et un élément fondateur de vos démarches qualité, tout simplement. Alors, juste des petits post-it qui sont presque la to-do list, hein, si vous deviez garder une checklist des choses à réfléchir et engager, et puis revenir sur des éléments un peu plus détaillés par la suite. Bien, c'est ces différents post-it, hein, à la fois en termes de stratégie, le lien, bien entendu, avec le projet d'établissement, l'association du Conseil de la vie sociale et de la direction, et puis des choses vraiment concrètes, c'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie écrite, mais on a bien des objectifs et qui sont partagés par tous, et qui vont alimenter cette feuille de route, qui va être un plan d'action pluriannuel, parce qu'on sait bien que les actions, elles vont courir sur plusieurs années. Et qui mobilise un référent qui ne va pas être tout seul sur la démarche, hein, qui va associer les autres professionnels, mais qui va être très très clair sur ce qu'on attend de lui au travers d'une fiche de mission rédigée. Et ce qui est conseillé, enfin, ce qui est invité, c'est que ce référent, bien entendu, il participe au temps et aux rencontres du Conseil de la vie sociale. Alors, sur l'aspect sensibilisation, on a parlé, hein, les professionnels, les usagers. Les membres du Conseil de la vie sociale à former pour s'approprier ces démarches. Et puis, dans les outils, et Antoine l'a juste après en parler, c'est savoir adapter l'outil au public et se baser sur à la fois des outils qui vont recueillir cette expérience ou cette satisfaction, mais aussi des outils de communication qui vont permettre de partager les résultats et la finalité de la démarche. Et on va vous faire tout de suite un petit focus sur les ressources, justement. Voilà.
Donc, les ressources, pardon, au niveau de Caliral Santé, donc on a le Getoallo, pardon, qui a été déployé pour les structures handi adultes, mais qui est totalement transposable sur tout type de public que vous avez accueilli et qui est téléchargeable sur le site de Caliral Santé. Et qui est dorénavant empruntable Oui. dans les pédagothèques des IREPS départementales. Alors, Marion me corrigera si je me trompe, parce qu'on a fait juste là, justement, il y a quelques jours, donc c'est 44 dans le. 72 44 et 72 Alors, 44, 72 et 85, c'est ça, Marion? c'est ça. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse voilà, en mettre à disposition autour des pédagothèques de tous les départements de la région. Pour voilà, me permettre de l'utiliser pour les établissements qui ne l'auraient pas reçu, puisqu'à l'époque, on avait diffusé 250 exemplaires. Et on avait ciblé sur les secteurs handi adultes. Ben, pour faire le lien avec le séminaire d'hier, on a le regard croisé sur la maltraitance qui permet justement de recueillir les besoins de l'usager. On a également, sur demande auprès de l'équipe, un modèle de protocole d'enquête qui permet de faire un premier questionnaire de recueil de la satisfaction d'expérience avec un fichier Excel associé. Et puis également, surtout, je dirais, on est en train de rédiger un livret structuré et faire vivre l'expérience usagée qu'on rédige avec une patiente partenaire qui travaille à Caliral Santé. Et justement, dans ce livret, on remet des éléments méthodaux qu'on vous a présentés ce matin, mais surtout, il y aura des fiches retour d'expérience d'établissements sanitaires, médico-sociaux, EHPAD, handi, qui ont structuré et mis en place des outils de recueil de l'expérience de l'usager. Également, alors ça, c'est des outils qui sont plutôt spécifiques sur l'ensemble de la démarche d'évaluation, avec l'outil d'appropriation des fichiers mémo, l'espace Talk Spirit, les MQMS, et puis bien évidemment la rencontre régionale du 10 avril, 10 octobre, pardon, pour présenter le dispositif en région. Et puis également, ça permet de répondre à une question que j'ai vue sur le chat. Nos collègues structure régionale d'appui bretonne, le CAPS Bretagne, a mis en place un guide méthodologique de l'accompagnant traceur avec des grilles à destination des usagers et des professionnels qui est à disposition auprès de vous en faisant une demande auprès de Caliral Santé. On a également l'URIOPS, où dedans il y a toute une fiche pratique sur le rôle du CBS et avec un exemple de questionnaire. Et les comparatifs des différentes méthodes. Et puis il y a également l'ANAP qui, dans ses nouvelles missions depuis le début de l'année, a mis en place des fiches pratiques pour recueillir le point de vue de l'usager et qui sont téléchargeables gratuitement en créant juste un compte gratuit sur le site de l'ANAP. Et pour finir, Noémie, la dernière diapo. Alors, juste pour finir, Antoine a parlé du webinaire régional là, sur le dispositif d'évaluation du 10 octobre. Donc, juste pour rappel, vous allez recevoir un petit mail aujourd'hui. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin de semaine prochaine, mais seront clôturées vendredi prochain. Au jour d'aujourd'hui, on est déjà à plus de 600 participants de la région, donc forcément un intérêt important. Du coup, ce qui veut dire que puisqu'on organise le webinaire régional le 10 octobre, nous n'aurons pas de minute qualité du médico-social au mois d'octobre. Nous le reprendrons au mois de novembre et qui sera sur la thématique de la gestion des risques et des outils, notamment autour de l'analyse, la structuration et l'analyse des événements indésirables spécifiques au contexte des structures médico-sociales. Et puis, sur la diapo antérieure, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos MQMS sur notre site Internet. Et puis, tout le programme de travail 2023, même si on arrive à la fin de l'année 2023 et qu'on commence à préparer 2024, vous avez l'intégralité à la fois des actions qu'on porte, des ressources téléchargeables et puis des modalités d'animation qu'on propose. Par exemple, Antoine partageait la question de l'accompagné traceur et du guide méthodo par nos collègues bretons du CAPS. C'est un outil qui a pu être partagé sur la plateforme d'échange collaborative Talk Spirit. Donc, si vous ne nous avez pas encore rejoint sur les thématiques, les quelques communautés de pratique ou groupes d'échange de Caliral Santé, n'hésitez pas à nous solliciter pour vous permettre d'accéder à cet espace.
qui permet à la fois d'avoir de l'actu, nous poser des questions et puis aussi de pouvoir partager entre établissements. Et pour les quelques minutes qui restent, Marion, on va se laisser un temps de questions-réponses. Questions surtout auprès d'Antoine. Mais pas que. Il y a une première question. Est-ce que tout ce que vous venez de dire concerne les SIAD? Of course, Oui, bien entendu. on peut faire de l'expérience usagée à domicile, tout à fait, oui. Oui, parce que le professionnel, on va dire, d'un point de vue, enfin, il se trouve plutôt intrusif de venir chez la personne accompagnée. Donc, du coup, comment l'usager vit ce professionnel extérieur qui vient à domicile? Est-ce qu'il n'aura pas des choses à dire sur le moment de la journée, etc., sur son attitude quand il vient, etc. Donc, non, forcément, oui. Tout que le domicile soit le vrai domicile ou domicile type EHPAD, non, non. Les SIAD sont bien évidemment concernés par cette notion de recueil de l'expérience patient. Même si Usager, pardon. effectivement la HAS dans ses Oui. travaux ciblait initialement que EHPAD et le secteur On handicap. y va. Mais par exemple, dans les outils que vous a présentés Antoine, les outils Caliren, sur regard croisé sur la bientraitance, on a un questionnaire à l'attention des personnes à domicile et qui on est complètement dans l'exemple d'un questionnaire qu'on peut mobiliser par Internet en face à face. Avec les personnes accompagnées au domicile de la personne. Et on est sur du recueil d'expérience. Et si on prend le manuel de la Haute Autorité de Santé, le critère 1.16.1, il est applicable à tout type de structure sociale, médico-sociale, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Après, c'est sur les modalités de recueil qu'il Oui. faut être inventif. Effectivement, on peut commencer par un questionnaire et au vu des résultats quantitatifs du questionnaire, on peut organiser un temps plus en face à face pour. Elle est sur certaines notions à exploiter ou à développer. Marion, est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Ah, Marion est figée. Elle ne bouge plus. A priori, non, il n'y a pas d'autres Normalement, on avait questions. un combat traceur, mais j'ai répondu avec ma collègue du CAPS. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'on voit le chat Oui, venir, non, mais on a je l'impression qu'il n'y a vois pas pas. d'autres questions. On va dire qu'on aura respecté Le le timing. timing, puisqu'il est Ah, il y a un 11h. nouveau Ah, message. super. Alors, il y a aussi les permanences des familles pour le recueil. Ah, Tout à complètement. fait. Et ça permet de dire que le recueil, en fait, vous en faites déjà Oui. beaucoup, énormément, ne serait-ce que sur les temps de recueil au travers de la construction des projets personnalisés ou les projets d'accompagnement, même les échanges informels. En fait, là, déjà, vous avez déjà beaucoup de matériaux. Antoine a parlé des plaintes et réclamations. Il y a beaucoup d'espaces qui permettent d'échanger. Et fort heureusement, vous n'avez pas attendu que la HAS vous incite à faire du recueil d'expérience et de satisfaction pour l'avoir mené. Là, il s'agit plutôt de voir comment ce matériau-là, il peut être mobilisé et intégré dans votre démarche d'amélioration continue et surtout être visible parce que ça contribue, alors on l'a peu abordé, mais ça contribue, on l'a dit, à la question de la légitimité de la personne. Du coup, en termes d'attractivité d'établissement, c'est aussi intéressant, hein, Oui. un établissement qui parle et enfin qui rend visible le fait qu'ils partent de la personne, de les propos et de la parole des personnes accompagnées, ça contribue aussi à améliorer l'attractivité de l'établissement. Et puis aussi de faire en sorte que le professionnel, il intègre pleinement la question du sens, on l'a abordé un peu en introduction, mais le fait qu'on puisse repartir des attentes de la personne accompagnée, ça permet aussi de parler du travail, tout simplement, et de redonner du sens aux pratiques professionnelles et faire bouger les organisations. Parce qu'au bout du compte, l'idée, c'est quand même de faire évoluer les choses. Hein. Et puis de valoriser, parce que souvent dans le recueil, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses positives qui en ressortent. Donc c'est aussi important pour les professionnels. Ce qu'on a promis, c'est que le rôle de ce référent, son premier rôle, ça va être justement de faire un diaporama de tout ce qui existe dans la structure, plutôt que se lancer dans un nouveau questionnaire
c'est plutôt de repérer tout ce qui existe, d'analyser ces résultats et au bout de ces résultats, de lancer une nouvelle évaluation. Comme disait Ami, il y a déjà plein de choses qui existent. Donc, travailler d'abord sur ce qui existe, le recenser. Donc, évidemment, ça a demandé du temps de tout recenser, mais à partir de là, vous avez une grande base de données qui va vous permettre d'analyser et après d'affiner avec les méthodes qu'on vous a présentées sur tel ou tel point, avec telle ou telle personne, justement, pour affiner. Mais pas partir tout de suite sur des questionnaires. On ne vous le préconise pas, On en ne vous tout le cas. préconise pas. Plutôt analyser d'abord tout ce qui existe et en fonction de ce que vous voulez faire et et ce que le CVS également veut faire, d'ajuster avec les méthodes et les données. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle le modèle de Ouais. protocole et le questionnaire et le fichier Excel, on ne le met pas à disposition comme ça parce que ça nécessite voilà, qu'on prenne un temps avec vous pour rediscuter et vous aider à affiner vos objectifs et voir s'il n'y a pas d'autres choses qui existent déjà et qui pourraient vous permettre de répondre à la question que vous vous posez. Et donc, à l'issue de ce NQMS, on est bien évidemment à disposition pour échanger sur des projets que vous avez envie de lancer dans vos établissements. Et le petit livret dont j'ai parlé tout à l'heure sort en janvier 2024. Donc, il sort très, très prochainement. C'est bon, Marion? Tu t'es revenue, tu étais Oui, figée. je suis Oui. partie, je suis revenue. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions, en tout cas, mais n'hésitez pas surtout, vous pouvez ouvrir votre micro et poser une question. On est là pour ça. Et voilà. Bon, de toute façon, on arrive à midi. Midi une. Midi une. On remercie l'ensemble des personnes qui se sont connectées. Donc le replay, il sera bien La entendu semaine prochaine. accessible. Le support de présentation, parce que c'est vrai qu'Antoine vous a donné quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Mais l'avantage de ce MQMS, c'est que vous pouvez le réécouter en replay. Et puis surtout, on vous met à disposition aussi le support de présentation avec tous les liens que Marion vous a mis dans le chat et qui sont aussi cliquables sur le support de présentation. Et on ne le dit pas à chaque fois, mais on le redit, nos supports de présentation, n'hésitez pas à les réutiliser aussi en interne. C'est pas la propriété exclusive de Calir Santé, bien au contraire. Si vous avez besoin de les utiliser en interne pour communiquer auprès du conseil de la vie sociale, par exemple, toute ou partie hein, du support ou avec votre futur référent ou si même vous êtes référent, ce sont des supports qui vous permettent voilà, de pouvoir aussi gagner du temps sur l'appropriation des attendus. Donc, on va clôturer ce MQMS. Merci Antoine, Merci merci à Marion, vous. merci à tous. Bon week-end et à bientôt.